Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Michael, plus connu sous le nom de MacLive. Je suis une personne passionnée du surnaturel, des phénomènes paranormaux, mais aussi de toutes ces mystérieuses légendes racontées. C'est pourquoi j'ai décidé de parcourir seul, à l'aide de mon équipement, de mon matériel, ces lieux connus ou réputés hantés, afin d'enregistrer et de vous apporter des résultats concrets. Tout ce que vous verrez au cours de cette enquête est réel. Il n'y a aucune mise en scène, aucun fake, aucun trucage. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et peuvent provoquer l'angoisse, la peur, le cauchemar. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas réaliser d'urbex paranormal. Ceci est vraiment dangereux pour vous et vos proches. Se confronter aux esprits ou aux entités démoniques néglige de l'expérience et un sang-froid incroyable. Bienvenue dans MacLive, enquête paranormale. L'obscur, notre seule chance d'être éclairci. Est-ce que c'est vous qui poussez les personnes dans les escaliers? Wow. Hey, y a eu quelque chose derrière moi là. Wow. Nico. Ouais, je rigole pas là. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle aventure. Donc, pour ce 8e épisode, ce soir j'ai décidé de faire un retour dans cet ancien château de monsieur Le Charlier. Donc si je reviens ici, c'est par rapport au phénomène que j'ai pu enregistrer en tout cas. Donc le château est là-bas. Je sais pas si vous voyez d'ici. Donc ce soir, comme je vous l'expliquais, je fais simplement un retour dans cet endroit par rapport au phénomène que j'ai pu enregistrer auparavant.
je voudrais vous annoncer aussi que j'ai du nouveau matériel. Et je pense que ça vous plaira. Donc je vous le cache pas que ça va être très intéressant de pouvoir l'utiliser. Donc tout simplement, c'est un thermomètre pouvant calculer la température. Et comme vous le savez, c'est très intéressant. Parce que les esprits, ou entités, hein, quand ils se manifestent, peuvent faire chuter la température. Il peut avoir une baisse de température et ça peut arriver à tout moment. Donc c'est intéressant en tout cas d'avoir ce nouveau matos. Donc là c'est l'ancienne grange. Ça nous intéresse pas tellement. Bon, j'ai l'impression d'être suivi. C'est une impression en tout cas. Bon, sachez que c'est pas évident, vous le savez. Surtout seul. On y arrive. On y arrive. Le fameux château. Donc c'est compliqué aussi d'avancer. Car au sol, on voit pratiquement rien. Bon, j'espère en tout cas qu'on est seul. J'ai envie de faire le tour rapidement et après on rentre directement dans le château. Donc là c'est le sous-sol. Je pense qu'il n'y a personne. Mais bon, je préfère faire le tour. On sait jamais. D'accord, d'accord. Donc là, c'est le balcon. C'était un ancien magnifique balcon. Donc, comme vous le savez, des personnes viennent et dégradent malheureusement l'endroit. Ce qui est malheureux. On pourrait garder l'histoire de... Et... C'est bête en tout cas, je trouve que c'est bête. Interdit. Le sous-sol. Non. Je fais le tour rapidement comme je voulais expliquer. Bon, j'espère que cette enquête vous plaira.
Sachez qu'ici j'ai eu de nombreux résultats. Bon, je parle beaucoup, mais c'est le stress. Hein. C'est avec seul, c'est pas évident. Mettez-vous à ma place. Wow, y a quelque chose qui a bougé là. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Un lapin. D'accord. Montée d'adrénaline tout de suite. Ça commence bien, dirais-je. Bon, par contre, pour passer par la fenêtre, ça va être compliqué avec les polières, mais on va faire avec. Bon, je vais utiliser le K18 pour voir si on est en présence de quelqu'un. Et après on utilisera le thermomètre hein, qui est très fiable. Je l'ai utilisé, donc je l'ai essayé hein, et très fiable. Bon, je sais pas si je vais réussir, c'est compliqué hein. Sachez-le. Désolé si vous voyez rien, mais sachez que c'est pas évident. Oh. Surtout avec les polières, on pouvait voir les grandes portes facilement 3 mètres. C'est immense, hein. C'est immense. Hein. Bon. J'espère qu'on est seul. En tout cas. Cheminée qui. Je me rappelle qu'il y avait une cheminée, mais elle était totalement détruite. Vous voyez, c'est. C'est hallucinant. Aucun respect. Bonsoir. Je m'appelle Mike. Mais je pense que vous vous en rappelez. Hein. Je suis venu pour plusieurs enquêtes ici. Et vous êtes manifesté plusieurs fois. Donc si vous pouvez le refaire ce soir, ce serait vraiment sympa de votre part, en tout cas. Vous savez très bien que je suis pas là pour vous déranger, ni vous provoquer, hein, loin de là. Mais avoir des réponses et des résultats concrets, s'il vous plaît. Merci. Je vous demanderai de toucher le boîtier que j'ai dans les mains, s'il vous plaît. Pour montrer que vous êtes bien présent ce soir avec moi. N'ayez pas peur. S'il vous plaît, manifestez-vous. Allez-y. S'il vous plaît. Vous l'avez déjà fait en plus, hein.
Alors, j'ai entendu un boom au premier étage. Mais je mens pas. Y a quelqu'un? Je suis en train de filmer, c'est tout, hein. Donc s'il y a quelqu'un, n'agressez pas, hein. Ok? Ouais, je vous jure que j'ai entendu un boom. Hein. Je sais pas si j'ai pu l'enregistrer. Me tuer. Ok, d'accord. Bon, là, ça rejoint à la cave. On va monter. S'il vous plaît. Ah, le 418, il fluctue. Vous êtes là? Oh, j'ai cru voir quelque chose. Pour ceux que j'ai regardé en haut. Que vous pouvez toucher le boîtier là, s'il vous plaît. Allez-y. On a eu quelques fluctuations en montant l'escalier. Restant plus rien. Bon, je suis pas là pour vous déranger, hein. Alors allez-y. Faites du bruit. Touchez le K18. Manifestez-vous, quoi. N'ayez pas peur. Ouh. Alors j'ai senti le sol s'affaisser. Donc on va aller vraiment doucement. Mais vraiment doucement. D'accord. Malédictus. Ah, il y a eu des rites. Oui, vous êtes là. Vous manifestez, il y a quelqu'un ici. Faites-le sonner, le boîtier, s'il vous plaît. Jusqu'au rouge. Allez-y. Il a fluctué, vous voyez. Bon. On va pouvoir aussi essayer le thermomètre. Donc, qui calcule la température. Ah. Il y a eu des rituels sataniques. Il y a eu des rituels sataniques. Je sais pas si vous voyez, parce que le sol est... est vraiment très étroit. Tout est en train de s'effondrer. Il y a eu des rituels. Wow. Et je vous cache pas que c'est pesant. C'est pesant. Bon.
J'arrête avec le K18. On a eu quelques fluctuations au niveau de l'escalier. Et là, dans cette pièce. Donc là, je vous présente le thermomètre. Petit gadget. Donc vous avez un laser. Donc je sais pas si vous voyez à l'écran. Oui. Donc ce laser calcule, hein, comme vous pouvez voir. Donc ici, c'est la température de la surface, donc c'est-à-dire le sol, les murs. Au milieu, c'est la température. Le pourcentage. Pourcentage d'humidité, excusez-moi. Et tout en haut, c'est la température ambiante, donc normale. Donc on va refaire un calcul. 27,9. D'accord. On va prendre quelque part d'autre. Donc n'hésitez pas à baisser la température si vous pouvez le faire. Donc je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Pour qu'on voit un peu mieux. D'accord. On va essayer dans la pièce ici. N'hésitez pas, si vous pouvez baisser la température de la pièce, faites-le s'il vous plaît. Allez-y. C'est à 27,2. Hein. Je vais réessayer. Continuez, hein, si vous pouvez. Toujours. S'il vous plaît. Baissez encore de quelques degrés, s'il vous plaît. Donc, on est toujours à 27,1. Donc, la température n'a pas baissé. Vous voyez, ça peut être intéressant. Donc, ici, on n'a pas été. Je vais continuer à prendre. Donc calculer la température de chaque pièce pour voir où il fait le plus froid en tout cas. Donc ici, si ça ne s'effondre pas, ah, vous pouvez voir, hein. Il y a eu un rituel ici, encore une fois. Vous voyez que je mens pas, hein. C'est complètement dingue. On va prendre la température ici. Ça floute un peu. Hein. Ça baisse ici. 26,9. Là-bas, on est à 27,1. Manifestez-vous si vous êtes là, s'il vous plaît. Baissez la température si vous pouvez. Allez-y. Donc, j'en reprends. Hop. 26,8. Ça baisse, hein. Baissez la température, s'il vous plaît. Jusque 26. 26,5 au moins. Allez-y. toujours. Je refais une dernière fois. 26,8 toujours. Vous pouvez voir, hein. Vous voyez que je m'en peux regarder les signes, et ça fait un moment que je suis pas revenu ici, et regardez juste derrière moi, je viens de le voir encore une fois. Vous pouvez voir, hein, c'est dingue. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu un changement de température quand même de la pièce là-bas à celle-là. Hein. Et
Les gravures au sol, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu des choses saines ici. Ce château est vraiment, vraiment très effrayant. On pourrait y faire un film d'horreur. Ici c'est le balcon comme je vous l'expliquais, mais on va pas s'y risquer. Ça m'a pas l'air solide. Est-ce qu'on peut voir en bas? Ouais. Soyez à ma place. J'ai entendu quelque chose. Est-ce que c'est vous pour faire un bruit, s'il vous plaît? Donc les voitures, c'est pas évident. Mais je vous jure que j'ai entendu quelque chose. Bon, si c'est vous, faites le bruit à côté de moi, s'il vous plaît. J'étais en bas, vous faites du bruit en haut. Et je suis en haut, vous refaites du bruit en bas. Alors faites-le à côté de moi, s'il vous plaît. Arrêtez de vous cacher et de jouer. Manifestez-vous. Et si vous le faites, je vous remercie en tout cas. C'est pas évident. Donc je n'ai pas d'informations par rapport à ce château. Pourtant j'ai cherché, hein. J'ai vraiment rien trouvé. Et vous savez, ça devient très compliqué en tout cas de pouvoir accéder aux informations qui peuvent être confidentielles. J'ai pas entendu. C'est pas évident. On va essayer aussi les visions nocturnes. Bon, je vais pas prendre la spirit box. Je vais essayer ici le laser. Donc si vous êtes ici, hein. N'hésitez pas à vous manifester si vous pouvez. Je me répète, faire descendre la température. Donc on était à 27, 1, 26, 8. Et là maintenant on est à 25, 8. Vous voyez que ça descend de plus en plus. Après je sais pas si c'est par rapport au rez-de-chaussée, soit il fait plus froid en bas et plus chaud en haut, je ne sais pas. On va réessayer. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Toujours 25,8. Ah, 25,7. Si vous pouvez descendre jusqu'à 25,5 pour montrer que c'est vous. S'il vous plaît. Donc là je comprends pas. Ah, ça baisse. 25,7. Jusque 5 s'il vous plaît.
Allez-y. Je pense que c'est normal. Donc on n'a pas de baisse de température pour le moment. Je viens d'entendre quelque chose. C'est vous? J'ai entendu parler, hein. J'ai entendu quelque chose, j'espère l'avoir enregistré. Ça pourrait être excusez-moi, ça pourrait être un PVE. Et c'est important, hein, vous le savez. Oui. On va faire une vision nocturne. Et je vais réessayer après avec le thermomètre. Ça avec c'est pas évident. Donc là, n'hésitez pas, vous pouvez vous montrer devant l'objectif, devant la caméra, sous forme de silhouette, orbe, tout ce que vous voulez en tout cas. Merci. Même faire du bruit, hein. N'hésitez pas. Hein. Bon. Ça peut être évident de marcher avec tout ce qu'il y a au sol. Je vais me positionner là. N'hésitez pas, s'il vous plaît, faites du bruit. Manifestez-vous. La cave. Souhaitez-moi bonne chance. Il y a quelqu'un? Bon, vous pouvez voir, encore une fois, des signes. C'est quoi ça? Oh putain, c'est un rituel. C'est un rituel. Il y a quelque chose d'accroché. Oh là là, je me sens... Oh là là, non, c'est pas bon là. Là, c'est pas bon, là.
Ah, j'en ai des frissons là. J'en ai des frissons. Il y a quelque chose qui a bougé. Ah, j'en ai des frissons là. J'en ai des frissons. Ah, j'en ai des frissons là. J'en ai des frissons. Ah, j'en ai des frissons là. J'en ai des frissons. Ouais, là, non, c'est pas bon là. Là, c'est pas bon là. Ah, j'en ai des frissons là. J'en ai des frissons. Il y a quelque chose qui a bougé. Ah, j'en ai des frissons là. Faites du bruit, s'il vous plaît. Ah, je vous mens pas. Je vais pas rester en bas longtemps là. Logiquement, là, elle est ouverte. Je sais pas ça. Regardez. C'est un doudou pendu ou je ne sais pas. Je peux vous dire que je connais pas mal de choses sur ça et je rigole pas là. Et j'en ai des frissons. Sans brûler. Fort. Sans fort le. Comme si c'était incendié. Il y a beaucoup de choses à terre. Donc ici, ouais, tout a été incendié. Sans fort le brûler. Froid. Est-ce que vous pouvez déplacer un objet? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je vais éteindre la flamme. Je vais vous montrer ce qu'il y a là-bas. Et je vous jure, j'en ai des frissons. Regardez. Lampelle Sainty. Un doudou pendu. Ça, c'est pas bon, ça. Bon, moi, je décide de pas rester. Ici. Et je vous cache pas, je me sens pas rassuré. Cette fois, je me sens pas rassuré. Soyez à ma place. Croyez-moi que c'est pas évident de tomber sur des choses comme ça. Je vais essayer. Je vais essayer le K18. Et
Le thermomètre. Voir si la température n'aurait pas baissé. En attendant qu'on soit parti. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, là? Par rapport à ce qu'il y a en bas. Vous pouvez confirmer que c'est négatif? Faire fluctuer l'appareil? Pour confirmer, s'il vous plaît. Bon, je regarde pas tout le temps, hein, donc s'il fluctue, vous me le direz en commentaire. Hein. Vous voulez pas communiquer ce soir, hein? J'ai eu plus de résultats pour les premières enquêtes, hein. Je vais quand même être... Je sais pas pourquoi ça me dit de... Ouh, tant pis. Je sais, je viens de remonter, hein, c'est bête, mais... Je vais redescendre avec le K18. Voir s'il fluctue en bas. C'est pour voir s'il fluctue en bas, hein. C'est pour voir. Ça pourrait apercevoir par vous-même que s'il fluctue pas en haut et qu'il fluctue en bas, c'est bien pour une raison. Vous pouvez toucher le K18 s'il vous plaît là. Montrez votre présence. Touchez-le. N'ayez pas peur. J'en vais pour communiquer avec vous là. Faites fluctuer le K2 là. Le K18 s'il vous plaît. J'en perds un. Allez-y. Je sais pas si... Je vais voir ça en même temps. Vous pouvez baisser la température? Sur le doudou. 26,5. D'accord. Bizarrement. 6,6,6. Vous pouvez voir? Il y a 3,6. Vous pouvez voir, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Je le refais. Ah, cette fois-ci, il n'y est plus. Ah si, il y avait un 6 tout en bas. Ouais, c'est revenu. 6,6,6, encore une fois. Si vous êtes là, faites fluctuer le K18. Allez-y. Je ne dis pas que c'est. Voilà, que ces 3,6 correspond à ça, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Faites-le fluctuer, s'il vous plaît, une bonne fois pour toutes. Et je vous laisse tranquille. Allez-y! Allez-y, faites-le fluctuer. Ah, j'ai senti un courant d'air, mais fort. Hein. Vraiment fort. Regardez. C'est dingue. On se balance tout seul.
vraiment fort. Regardez, regardez, regardez. C'est dingue. On se balance tout seul. Ah, c'est dingue. Et pourtant, il n'y a pas de vent. J'ai senti un fort, une forte fraîcheur. Vraiment frais, hein. Et là, ça bouge. Si c'est vous, merci, hein. Vous ne pouvez pas faire fluctuer le K18, s'il vous plaît, là. Montrez que c'est vous. Et bizarrement, regardez, il bouge plus. Ah, il bouge plus, hein. Ah, mais c'est dingue. Merci en tout cas. Vous pouvez voir. Il bouge plus du tout. Ah non, mais je suis choqué là. Il s'est balancé. Vous avez vu comment il s'est balancé, hein. Et il n'y avait pas de vent, hein. Et là, plus rien. Il s'est stoppé net. Ah non, mais je suis choqué. Je suis choqué. Je vais essayer de le repasser en replay. Le meilleur possible. Pour que vous puissiez voir comment il s'est balancé, en tout cas. Et il n'y avait pas de vent. Je vous mens pas qu'il n'y avait pas de vent. Ah non, mais je suis... Encore une fois, je suis bluffé, là. Je suis content parce que... Une belle preuve. Merci en tout cas de vous être manifesté. Merci. Et je vous demanderai de ne pas me suivre. De rester ici. Parce que j'étais pas venu pour... voilà. Vous déranger. Ah, hein. Oh, chauve-souris. Chauve-souris, dit esprit. Vous pouvez voir. Hein. Wow. Vous avez vu? Je mens pas. Hein. Ah là, non, mais c'est dingue. C'est dingue. Bon, j'étais pas là pour vous déranger, mais en tout cas, merci à vous. C'est magnifique. Hein. Merci à vous. Ah, c'est dingue. C'est complètement dingue. Vous pouvez voir. Hein. Les résultats qu'on a eus. C'est dingue. Et j'en reviens pas. Hein. J'en reviens pas. Le... Je passe ça deux secondes. Le doudou qui s'est balancé comme ça. Et qui s'est arrêté net. Bon, trois secondes après. C'est dingue. Oups. Excusez-moi de galérer comme ça, mais... J'ai pas le choix, quoi. J'espère que tout ça vous aura plu en tout cas. Et si vous aurez entendu ou vu quelque chose, vous le savez, n'hésitez pas. Vous me le dites en commentaire. C'est important. Et encore une fois, je voudrais tous vous remercier de cet énorme soutien que vous m'apportez. Et c'est ce qui m'encourage. Donc continuez. Franchement, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à likez, partagez les vidéos et abonnez-vous, c'est le plus important, abonnez-vous. Et ne vous en faites pas, il y aura d'autres enquêtes. Hein. Et vous ne serez pas déçus. Comme je vous l'ai expliqué, vous ne serez pas déçus. Oh.
J'ai entendu un bruit comme un chien aboyer. Je suis choqué là. Bon, je verrai ça l'analyse. Mais c'est dingue. C'est dingue. Donc voilà mes petits enquêteurs. Je vous remercie de ce soutien en tout cas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour la prochaine enquête. Allez, ciao.